Alors tout d'abord, avec le bouton fonction, nous pouvons faire défiler les formes d'ondes. Là, nous avons une onde de forme sinusoïdale, mais elle peut très bien être de forme triangulaire, en forme de créneau, ou en forme de créneau asymétrique. Et lorsque tous les voyants sont éteints, le GBF va délivrer une tension continue. Ensuite, nous pouvons modifier l'amplitude du signal avec le bouton Amplitude. Mais aussi, avec le bouton Atténuateur, nous pouvons diviser par 10 ou par 100 l'amplitude du signal. Avec ce bouton sur la gauche, nous pouvons ajouter une composante continue au signal, positive ou négative. Mais aussi tout simplement l'annuler avec le bouton Off. Ensuite, nous pouvons modifier la fréquence du signal. Nous pouvons la multiplier par 10 ou la diviser par 10. Et si nous souhaitons être plus précis, nous pouvons tout simplement tourner la roulette.